Bonjour, on est le 23 avril 2020. Je vous propose ici un petit énoncé assez simple. Soit une matrice d'ordre n définie par cette matrice, je peux l'appeler A, hein. Voilà, A ronde, voilà, qui s'appelle A ronde, définie par AII égale DI, quel que soit I appartenant au naturel sauf 0. Alors les AII, les AI plus 1, virgule I, sont égales au CI, les AI, virgule I plus 1 sont égales au EI, et pour toute autre valeur AIJ, eh bien, les valeurs sont nulles. Les valeurs sont nulles ailleurs que ceci. Et il faut écrire cette matrice. Bon, on va écrire cette matrice, quoique, moi j'ai oublié d'effacer le tableau précédent, donc je vais l'effacer. Voilà, donc ici, c'est tout simplement, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Bon, ici, si on se rappelle, les AII, c'est A11, A22, A33, A44, A55, jusqu'à ANN. Donc, on va déjà écrire, ce sont les éléments de la diagonale. On va écrire cette matrice comme ceci. Voilà, la première colonne, on aura première ligne, première colonne. Deuxième ligne... je vais mettre un petit repère pour savoir où ce que je suis. Deuxième ligne, deuxième colonne. Troisième ligne, troisième colonne. Quatrième ligne, quatrième colonne. Et ainsi de suite. Bon, la n-1e ligne. Oui, normalement on peut mettre une virgule ici, hein, et même une parenthèse. Moi, je peux mettre voilà, dans une vidéo, j'avais dit qu'on pouvait faire ceci. Voilà, ben bon. De 1, je retire la parenthèse. Et de 2, je retire la virgule. Hein, pour ne laisser que la première ligne, première colonne. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ça, j'avais fait une vidéo là-dessus. Bon, je ne reviendrai plus. Voilà, donc je peux écrire à 3,3, à 4,4, etc. Pas besoin d'écrire avec une parenthèse et une virgule. Hein. Voilà, 3,3 à 4,4. Voilà, à 4,4. Contrairement à l'énoncé, l'énoncé stipule que, bon, ici, il y a une virgule. Ici, c'est la ième ligne, ième colonne. Donc, la ligne est égale à la colonne. Ici, donc, c'est ce qu'on appelle les éléments de la diagonale. Ici, les éléments, c'est... Ben, on a le consécutif... Le consécutif plus 1 par rapport à i. Là, on a le consécutif plus 1 par rapport à i. Là, ça veut dire que tout simplement l'élément colonne, l'élément de ligne est plus grand d'unité que l'élément de ligne. Donc, on va se retrouver aussi sur une diagonale, mais une diagonale, on va dire inférieure. Alors que là, on a un consécutif par rapport à l'élément i et il est plus grand. En colonne qu'en ligne, donc on est sur une diagonale supérieure, si vous voulez. Mais de toute façon, je vais vous montrer tout de suite. On va aller jusqu'à la colonne n-1 à n-1 pour la ligne n-1. Je sais pas si on voit à l'écran parce que tout soit visible. Voilà, à n-1. Ouais, ici, je suis obligé de mettre 1,1, n-1, hein, pour ne pas confondre les deux. Alors, quand c'est des valeurs, il n'y a pas de problème, il n'y a pas aucune confusion. Mais quand il s'agit de n-1, bon, il faut bien séparer le n-1 ligne et n-1 colonne pour éviter d'avoir des soucis de clarté.
Bon, une matrice, c'est soit une parenthèse ou des crochets. Alors, je vais mettre la ligne N. Pour la ligne N, bien sûr, ici, on est à la colonne N-1. Ce qui veut dire que là, j'ai trois petits points. Et là, je vais remettre pour la colonne. Voilà, ici, la ligne N, colonne N. Voilà, ici, je suis bien à la colonne N. Voilà. Donc, ici, j'ai bien une belle diagonale. A1, A2, A3, AII. Enfin, A1, A2, A3, A4, un élément quelconque à II. L'élément avant-dernière ligne, avant-dernière colonne, AN-1, N-1. Et là, on a ANN. Bon, je peux mettre une virgule. Hein. Voilà. Mais si j'écris ceci, c'est compréhensible. ANN, c'est la énième ligne, énième colonne. Et si je mets pas. Voilà, ça c'est aussi compréhensible. Voilà, la N-1ème ligne, N-1ème colonne. Bon. Ouais. Donc ici, on a répondu, je veux dire, à ceci. On a répondu à ceci. Et les éléments s'appellent les DI. C'est-à-dire que pour la première ligne, première colonne, c'est D1. Pour la deuxième ligne, deuxième colonne, c'est D2. Troisième ligne, troisième colonne, c'est D3. Et ainsi de suite. D1, A22 vaudra D2, là on aura D3, A44 vaut D4, N-1 vaut D-N-1. Et enfin, pour la colonne, la énième ligne, énième colonne, on a DN. Trois petits points. Voilà. Maintenant, on va écrire les AI plus 1 I qui vaudront CI. C'est-à-dire quand la ligne vaudra. Si I vaut 1, on commence en ligne 2. Mais la colonne 1. Ligne 2, colonne 1, c'est C1. Ligne 2, colonne 1, on aura C1. Si I vaut 2, I plus 1, ça fait 2. Enfin, 2 plus 1, ça fait 3. Si I vaut 2, donc on aura 3, 2, C2. A3, 2, C2. Donc, troisième ligne, deuxième colonne, on a C2. Alors, si vous 3, on aura 3 plus 1, 4, on aura A4, 3, A4, 3, C3. Quatrième ligne, troisième colonne, C3. Et vous avez compris le petit jeu, c'est que, en fait, le CI est en dessous du DI. D2, C2, D3, C3, D4. C4, DN-1, C. N-1. Voyez que quand l'indice de ligne est plus grand que l'indice de colonne, ben on se retrouve en dessous de la diagonale. Hein. Quand l'indice de ligne est égal à l'indice de colonne, on se retrouve sur la diagonale. Et quand l'indice de ligne est inférieur à l'indice de colonne, ben on se retrouve au-dessus, ça va être le cas ici. On va mettre mes EI. Donc, si je prends la première ligne, on aura A, le consécutif c'est 2. Donc, A1, 2. Première ligne, deuxième colonne, on aura E1. Première ligne, deuxième colonne, on aura E1. Alors, pour avoir E2, il faudra aller en deuxième ligne, troisième colonne. Hein, deuxième ligne, troisième colonne, E2. Pour avoir E3, troisième ligne, quatrième colonne. Pour avoir E4, quatrième ligne, cinquième colonne, que je vais mettre ici, 4 et ainsi de suite, et donc ici, on va se retrouver, donc vous constatez qu'à côté du D1, en dessous du D1, on a C1, en dessous du D2, on a C2, en dessous du D3, on a C3, en dessous du D4, on a C4, en dessous du
du D5, on a C5, en dessous du D6, on a C6, en dessous du D7, voilà. En dessous du DN-1, on a CN-1. À côté, à droite de D1, on a E1, à droite de D2, on a E2, à droite de D3, on a E3, à droite de D4, on a E4, à droite du D5, on a E5, etc. À droite du DN-1, on a EN-1. Et partout ailleurs, AIJ vaut 0. AIJ vaut 0. Donc on va mettre 0 partout. Trois petits points. À la colonne N-1, 0 et à la colonne N, 0. 0, 3 petits points, 0, 0, 3 petits points, 0, 0, 3 petits points, 0, 0, 0, 0, 0. Point. On a tous des 0 jusque DN-1, là on a DN-1. 0, 0. 3 petits points. 3 petits points. 3 petits points. 3 petits points. Voilà. Et ceci est une matrice, je veux dire, vous allez voir comment je veux l'appeler. Avant toute chose, je vais faire un petit rappel. Avant de dénommer la matrice que je viens d'établir, on sait que une matrice quelconque s'écrit avec ses éléments A1, première ligne, deuxième colonne, première ligne, troisième colonne, etc. Première ligne, énième colonne. Deuxième ligne, première colonne, deuxième ligne, deuxième colonne, deuxième ligne, troisième colonne, deuxième ligne, énième colonne. Troisième ligne, première colonne, troisième ligne, deuxième colonne, troisième ligne, troisième colonne, troisième ligne, énième colonne. Énième ligne, première colonne, énième ligne, deuxième colonne. Énième ligne, troisième colonne, énième ligne, énième colonne. Alors maintenant, si j'écris, quel que soit i, j, si i est plus grand que j, a, i, j égale 0, quand est-ce qu'on a ça? Quand on a 2, 1, 3, 1, tout ce qui est en dessous de la diagonale ici. Ici, on a ce qu'on appelle la diagonale. Voilà. Diagonale, tout ce qui est en dessous, ben, la ligne, l'indice de ligne est plus grand que l'indice de colonne. 2 est plus grand qu'un, 3 est plus grand qu'un, n est plus grand qu'un, plus grand que voilà. Voilà. Donc ce qui veut dire, si je mets tous des zéros ici, je vais faire ça tout de suite. Bien sûr, en effaçant pas ceci, bien sûr. Première ligne, première colonne, deuxième ligne, deuxième colonne, etc. Là, je vais mettre des colonnes de 0, 0.
0, 3 petits points, 0, 0, 3 petits points, 0, 0, 3 petits points ici. Ça, c'est ce qu'on appelle une matrice. Quand on associe la définition là, et que vous voyez ça, c'est une matrice triangulaire supérieure. Voilà. Ça, c'est une matrice triangulaire supérieure. Maintenant, revenons à la matrice normale. En général, une matrice en général, je complète par deuxième ligne, première colonne, troisième ligne, première colonne, troisième ligne, deuxième colonne, troisième ligne, troisième colonne, énième ligne, première colonne, énième ligne, deuxième colonne, énième ligne, troisième colonne. Bon, ça, c'est une matrice normale. Maintenant, je vais répondre à la définition suivante. Quel que soit ij, i plus petit que j, mais a et j sont plus petits que 0. Là, à ce moment-là, je vais mettre des 0 quand l'indice de ligne, le i étant la ligne, ij la colonne, l'indice de ligne est plus petit que l'indice de colonne. Ben, on voit bien que c'est 1 est plus petit que 2, 1 est plus petit que 3, 1, c'est tout ce qui est au-dessus de, voilà, de la diagonale. Donc, j'aurai des 0 au-dessus. Donc j'aurai 0, 0, 3 petits points, 0, 0, 3 petits points, 0, 0, voilà, et ainsi de suite. Donc on aura des 0 partout au-dessus de la diagonale. Ça, c'est ce qu'on appelle une matrice triangulaire inférieure. Les valeurs, voilà, les valeurs qui ne sont pas nulles sont en dessous. Bon, on peut avoir quelques valeurs non nulles, hein, mais là, tout ce qui est nul est au-dessus, donc c'est une matrice inférieure. Voilà, ça répond à une matrice inférieure. Alors maintenant, si j'ai ceci, quel que soit ij, quel que soit ij, i plus petit que j, mais aij vaut 0, i plus grand que j, aij égale 0. Ben, en fait, je vais écrire ceci. J'aurai aussi bien une matrice triangulaire qu'une matrice supérieure qu'une matrice triangulaire inférieure. Donc, j'aurai ceci. Donc, j'aurai une matrice triangulaire supérieure mélangée à une matrice triangulaire inférieure. Bien sûr, ici c'est le ANN qui se trouve ici. ANN. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle une matrice quand on a ces deux-ci, ou les deux définitions ici, c'est ce qu'on appelle une matrice diagonale. On a une matrice diagonale. Alors, on a une matrice diagonale. En d'autres termes, matrice diagonale va répondre à la définition ici, mais pour simplifier la définition, on va mettre les AII différents de 0 et les AIJ égale 0. Alors, on va se dire que quand I vaut J, c'est différent de 0. Enfin, quoi qu'on peut avoir quelques 0, ça, c'est pas un problème, hein. On va dire tous les AIJ. Enfin, je m'excuse, c'est pas bon ce que je raconte. Je raconte une bêtise. Je raconte une bêtise. Matrice diagonale, c'est ça et ça. Je m'excuse. C'est ça et ça. Parce que je peux avoir tous des zéros partout. Et là, à ce moment-là, j'ai une matrice, la matrice nulle, la matrice nulle. J'ai la matrice nulle. Hein, si j'ai des zéros partout ici, j'ai la matrice nulle. J'appelle 0. Maintenant, si j'ai tous des 1 ici, j'appelle ça la matrice identité. C'est la matrice identité. Attention que la matrice identité est une matrice carrée. Hein. Voilà. C'est une matrice carrée. Elle n'est pas rectangulaire. Hein. Et comme celle-ci, les matrices carrées, il n'y a pas de problème. Quand on a une matrice carrée, une belle diagonale, elle découpe autant de valeurs au-dessus de la diagonale qu'autant de valeurs en dessous de la diagonale. On a une belle diagonale avec autant de valeurs au-dessus qu'en dessous.
Alors, donc une matrice diagonale, c'est une matrice triangulaire supérieure et inférieure. C'est ce qu'on appelle une matrice diagonale. Bon, je vous rappelle que le déterminant ici fait A1 fois A2 fois A3 fois trois petits points fois A n. C'est le produit des AII. Le produit des AII pour allant de 1 à n. Voilà, ça c'est le déterminant d'une matrice diagonale. Le déterminant d'une matrice diagonale, c'est le produit des AII pour i égale à 1 jusqu'à n. Donc on aura A1 fois A2 2 fois A3 3 fois A4 4 fois A5 5 jusqu'à ANN. Voilà, ça c'est le déterminant de matrice A1. Et si on a tous des zéros ici, mais là, le déterminant est nul. C'est normal parce qu'on aura que des lignes composées de zéros. Voilà. Par contre, si j'ai tous des 1 ici, mais la matrice, le déterminant de la matrice vaudra 1. Donc le déterminant de la matrice unité vaut 1. Alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'ici, on a presque ça. On a presque une matrice diagonale, si ce n'est qu'ici, on a des valeurs ici et des valeurs là. Certaines peuvent être. Voilà, donc ici. Là, on a bien une diagonale. Là, on a une diagonale supérieure. Et là, on a une diagonale inférieure. Donc, cette matrice-là s'appelle une matrice. C'est une matrice tridiagonale. C'est une matrice tridiagonale. Parce qu'il y a trois diagonales. Ou tout simplement une matrice à bande. Parce qu'on a l'effet d'une bande. On a l'effet d'une bande comme ceci. Voilà. Donc quand vous voyez les AII, on a des valeurs en AII et des valeurs en AI, I plus, pour AI ligne et des valeurs en I plus 1 colonne. Voilà, et en même temps, je m'excuse, c'est et des valeurs en AI, enfin, c'est l'énoncé, hein, je vais l'énoncer, je répète l'énoncé. Si vous avez ceci, des valeurs en AII, en AI plus 1, I, et ça, je vous rappelle que ce sont les CI qui sont en dessous, parce que c'est la diagonale inférieure. Pourquoi? Parce que, je veux dire, c'est une unité de ligne consécutive par rapport à la colonne. Donc, si je prends. Pour mettre le CI, ben, ce sera par exemple si je prends 1, i égale 1, j'aurai 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, 5. C'est-à-dire, c'est la deuxième ligne, première colonne, troisième ligne, deuxième colonne, quatrième ligne, troisième colonne, cinquième ligne, quatrième colonne, sixième ligne, cinquième colonne, et ainsi de suite. Par contre, l'autre, ben, c'est une unité en plus, mais au niveau de la colonne. Donc, pour mettre le E, cette première ligne, deuxième colonne, deuxième ligne, troisième colonne, troisième ligne, troisième colonne. Et là, on est au-dessus de la diagonale. Alors que là, on est en dessous de la diagonale. La diagonale principale, bien sûr. Donc, en fait, quelque part, là, on vient de créer deux autres diagonales qui sont voisines de la diagonale principale. On a une diagonale supérieure et une diagonale inférieure. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle une matrice tridiagonale ou abonde. Et donc, voilà, je vais calculer le déterminant de ce type de matrice dans une vidéo suivante. Je vous remercie.